On passe à l'alignement en fait de l'équipe en vue de l'an prochain. Julien, tu es allé un peu avec les contrats déjà en fait de l'organisation. Donc, il n'y a pas même de marge de manœuvre pour Kent Hughes là, avec la quantité de contrats qui ont été octroyés dans les dernières saisons. Ouais, donc moi, je suis allé avec ce qu'on avait déjà. Comme j'ai dit à d'autres podcasts avant, je pense pas, puis même Kent Hughes l'a dit dans son point de presse, il dit à date, c'est mon été le plus important, mais dans 2 ans, ça va être l'été le plus important. Parce que dans 2 ans, là, il y a beaucoup de contrats qui se terminent, puis il y a aussi l'opportunité de racheter des joueurs comme Gallagher, Anderson, qui va leur rester seulement 2 ans. Puis que ça ne sera pas trop dommageable au niveau salarial. Puis tu sais, tu as la retenue de Jake Allen puis de Petrie aussi qui va finir à la fin de l'autre année, en plus de la fin du contrat de Dvorak, de Armia, de Savard. Donc tu sais, là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe là, dans un an, finalement, dans l'été, dans un an. Donc, mais cet été, ça va quand même de préparer le terrain pour ça. Puis là, comme on a vu, le nombre de contrats est quand même assez élevé. On s'entend, il n'y a pas de grandes vedettes qui s'en viennent à l'attaque. Owen Beck, Philippe Méchard, je pense pas que ça va faire le club. Oliver Kapanen aussi qui va s'en venir. Le frère de Jacky, Florian, je pense pas non plus. Donc, à ce niveau-là, à l'attaque, il n'y aura pas de nouvelles surprises. Mais on a un alignement quand même juste. On a Pezzetta qui va être là. Là, j'ai mis Stephen, ça, c'est si on le re-signe. Ilonen, je pense qu'il est re-signé aussi. Moi, je donne absolument rien. Là, je le laisse partir. Tu donnes une tape dans le dos et tu dis bonne Ben, chance. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ça reste que, y a-tu de la place pour aller chercher des joueurs? Moi, je pense qu'au moins un attaquant. Parce qu'on s'entend, là, bon, après, on a vu avec les blessures, hein, mais, tu sais, c'est intéressant, mais c'est fragile. Joshua sur un top 6, on ne sait pas si ça va marcher. Gallagher va arriver dans quelle forme? Dvorak, qui peut se blesser à tout moment. Josh Anderson, on ne sait pas. Peut-être qu'il va être super bon. Peut-être qu'il va monter. Ça m'étonnerait, mais bon. Il y a beaucoup de on ne le sait pas avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins 14 attaquants qui sont capables de mettre un chandail à la Ligue nationale. On a Pezzetta qui est encore signé un an. Donc là, ça en fait 13 avec lui, mais il faudrait qu'il y en ait au moins un autre, là, minimum. Puis il va falloir réussir, on va le voir dans un futur tableau, là, aller chercher aussi quand même à l'aval du support. Au niveau de la défensive, j'ai mis Mailloux parce que bon, coach à l'aval dit qu'il est prêt. Bouillon dans une entrevue, il a dit qu'il était Ben, il va prêt. l'être. Bon. Et je pense qu'il va le faire sur une sixième ou à la limite sept, tu sais, sans jouer tous les matchs, puis alterner avec Struble ou Kovacevic, peu importe qui on va décider de mettre là. J'ai pris un gros guess avec Cotton, ça à deux. Ils ont l'air à l'aimer. Puis de ce que j'ai entendu du point de presse, il a l'air d'être d'implant, à moins qu'il y ait un été vraiment catastrophique. Je pense qu'il va commencer l'année à Montréal. Parce qu'il n'y en a aucun prototype comme lui dans l'équipe. Donc, il apporte une saveur, tu sais, qui est à justement skipper un match une fois de temps en temps si on voit que Oppelin, ça commence à aller vite. On peut le mettre en dehors sans problème là, quelques matchs. Donc, j'ai l'impression qu'il va commencer là, mais c'est encore la défensive aussi. On a une belle profondeur, mais une profondeur très jeune. Donc, c'est du monde qu'on sait qui va avoir des rôles quand même assez importants éventuellement. Mais ça peut être beaucoup pour dès l'année prochaine. Donc, j'ai hâte de voir aussi comment on va jongler avec ça. Mais je suis quand même moins inquiet au niveau de la défensive qu'à l'attaque. Oui, ben en fait, ce qui est intéressant justement qu'on souhaitait aborder, qu'on a Alec en fait qui nous écrit, donc on n'est pas obligé d'en parler, mais ça donne que c'est notre prochain sujet justement. Tu parlais des défenseurs dans l'organisation, il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'on considère à échanger Justin Barron, on le sait, et joueur autonome avec restriction cet été? Il y a Ryan Baher aussi qui est justement avec le club école pour l'instant, qui pourrait peut-être, s'il y a un bon été, un bon camp, commencer à Montréal aussi. Et comme tu le disais, Julien, il y a aussi Mailloux de possible dans toute cette panoplie de défenseurs-là. Et je remonte le tableau rapidement avant de vous laisser la parole, mais on regarde Struble, Barron, Kovacevic, Harris, bon, Renbacher, comme on dit, peut-être à Laval pour commencer, mais ça reste que ça fait quatre défenseurs Ligue nationale qui sont en attente d'une blessure ou qu'un des joueurs du top 6 se retire possiblement. Donc, tu sais, quand on regarde ça comme ça, puis en plus,
outre Strouble, aucun de ces joueurs-là a un contrat pour aller à Laval. L'an prochain, Barron, il va signer cet été. Ça va être un contrat pour rester à Montréal. Ça va être un volet. Donc, on n'aura pas le choix de faire du mouvement, à moins qu'il y ait beaucoup de blessures déjà en commençant l'année. Ce n'est pas surprenant avec le Canadien. Mais, si Kent Hughes avait été déjà, c'est Barron qui va devoir cibler, je pense. Dans tous les aspects qu'on a en ce moment, je pense que c'est un défenseur où on semble encore vouloir développer du potentiel. Chose que Harris, selon moi, Struble, Kovacevic, on a vraiment atteint le plafond. Je pense que Barron, il y a encore certains points d'interrogation autour de lui. Et même si c'est un défenseur droitier, je pense que c'est bon de prendre le risque pour aller chercher du moins un choix ou un espoir B, ou peut-être C même, qui peut être raisonnable pour notre reconstruction, quitte à s'assurer d'avoir une police d'assurance comme septième défenseur, steady, puis surfer la vague avec ça. T'sais. Moi, tu vois, ce serait peut-être plus un Jordan Harris que je viserais à échanger cet été. Je me dis, Barron pourrait peut-être, s'il re-signe à Montréal, encore se développer. Justement, il y a un peu d'incertitude dans son cas. Donc, est-ce qu'il peut aller, selon moi, un plafond plus haut que Jordan Harris? Est-ce qu'il peut l'atteindre? Là est la question, mais j'ai l'impression peut-être que Harris, sachant que probablement a déjà atteint son plein potentiel, c'est le genre de joueur peut-être que je laisserai aller. Encore là, c'est peut-être celui qui est le mieux placé pour être un septième défenseur, contrairement à Barron, que c'est le genre de joueur qu'il faut que tu aies dans l'alignement tout le temps et qui t'amène un avantage précis. Là. Exact. Ben, le Canadien va évaluer ses options, mais moi aussi, ce serait Justin Barron en fait que je sacrifierais. J'étais le Canadien, je trouve que ça fait 2 ans là, qu'il vient à Montréal, qu'il va à Laval. Je trouve que parfois, dans ses décisions, il commet plusieurs erreurs défensivement. Puis là, justement, à droite, on a une grande relève défensivement qui s'en vient. Moi, j'ai le même top 4, en fait, que Julien. J'ai avec Lane Hudson, qui joue avec David Savard. Là. Donc, mais moi, je mettrais, je pense, Logan Mailloux, en fait, peut-être commencer l'année avec le Rocket, avec Ryan Backer, mais il risque d'avoir des blessures, peut-être pour remonter. Mm-hmm. Parce que Lane Hudson n'a pas beaucoup d'expérience en fait dans la Ligue nationale. Le Mailloux non plus, il a joué dans la Ligue américaine, mais il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Déjà, on a une jeune défensive, je pense que je prioriserais peut-être un Jordan Harris ou peut-être même un Struble comme septième défenseur, mettons. Puis laisser les deux jeunes jouer en masse à Laval là, pour commencer la saison. Alec est d'accord avec nous deux, Hugo. Donc, yes, sir, Alec. On fait des heureux. Ben, moi, là, mon septième défenseur, puis je sais que. Moi, en même temps, je dis ça. Non, c'est vrai. Mon septième défenseur, je pense à Seth Strouble. Moi, ceux que j'échangerais. Mais go! Il y en a deux. Moi, j'en échangerais deux. C'est Kovacevic et Harris. Mm. Moi, c'est les deux que je. Ils n'ont pas quelque chose d'assez spécial, même puisque Kovacevic est super bien fait, mais je pense que Strouble peut faire la même chose en un petit peu mieux, peut-être. Puis il est plus jeune. Mais moi, ces deux-là, là, ils n'ont rien de spécial. Tu sais, on parle de Barron. Barron, il y a quelque chose de spécial. Il y a un patin légèrement au-dessus de la moyenne, puis il y a un excellent tir du poignet. Il y a vraiment un flair offensif là, qui est clair et indéniable. Il y a des bonnes mains. C'est dans sa zone. Je ne pense pas qu'il manque de vision de jeu. Je pense qu'il y a peur des fois de sacrifier son corps. C'est plus là. Est-ce qu'il va être capable de travailler là-dessus? Je ne sais pas, mais ça reste quand même que je trouve que, comme dit Nicolas, je pense que son plafond est un peu plus haut que, mettons, un Harris ou un Struble au niveau global. Donc, tu sais, tu peux te permettre d'avoir Struble comme septième défenseur. Harris, pour moi, c'est un puck-moving defenseman, mais petit, puis pas avec un grand tir. Tu sais, sa seule qualité, là, c'est de faire des bonnes premières passes pour avoir un bon coup de patin. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est le genre de joueur que tu peux trouver sur le marché un été ou que tu en as besoin pour un septième. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Fait que pour moi, Harris et Kovacevic, parce qu'à droite, là, avec Barron, puis Rainbacker, puis Mailloux, tu sais, puis là, il y a Goulet qui a super bien fait à droite. Pendant qu'il était avec Madison. Je ne dis pas qu'à long terme, c'est bon, mais il peut le faire une autre saison. Honnêtement, pour moi, là, c'est vraiment Harris et Kovacevic que je ne pense pas qu'ils ont de l'avenir et il faut faire de la place. Là, parce que même s'il y a des blessés là, avec les noms que vous avez vus, ils peuvent tous jouer. Là, on a 6 pour avoir 3 blessés à défense et
Puis en échangeant Kovacevic, Paris, on a encore trois gars qui peuvent les remplacer. Ouais. Puis, tu sais, donc, puis je suis sûr que même William Trudeau, tu sais, je sais qu'il a eu une moins bonne saison, là. Ouais, une moins bonne première moitié de saison. Mais tu sais, je suis sûr qu'il peut dépanner là, pour 10 matchs là, dans le national. Ouais. Tu sais, fait que c'est toutes des choses que. Puis il y a Engstrom qu'on n'a pas vu non plus. Exactement. Aussi, ben, c'est vers là j'allais aller. En fait, je vais en profiter, là, montrer le tableau justement des joueurs sous contrat avec le Rocket. Mais oui, Engstrom est une autre possibilité. Encore là, on ne l'a pas vu de Ligue américaine. On va lui donner du temps tout de même. Là, on verra. Mais ça reste quand même que tu as d'autres options à Laval à ce niveau-là. Donc, c'est sûr. Pour moi, il faut faire de la place, c'est évident. Là. On a trop de défenseurs à Montréal, puis je pense pas que c'est des joueurs qu'on doit à tout prix garder en espérant qu'ils vont donner beaucoup plus dans les prochaines années. T'sais, c'est pas comme, je donne l'exemple de cette année avec les trois gardiens, avec Primo, qu'on souhaitait garder pour possiblement l'avoir l'an prochain et les années suivantes, parce qu'on pensait qu'ils pouvaient encore se développer. Au niveau des défenseurs, à un certain point, ces joueurs-là, c'est pas des joueurs exceptionnels non plus. Moi, la seule affaire qui me fait peur avec Justin Barron, les gars, c'est qu'on soit trop patient et qu'on fasse un peu comme Caden Primo. C'est qu'on dit « Ah oui, non, mais il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. » Puis finalement, on réalise que « Ah non, finalement, il a atteint son plafond. » Je suis vraiment d'accord avec les points de Julien comme quoi Barron a un flair offensif qui est vraiment, vraiment marquant. T'sais, ça définit son jeu puis il est bon pour des relances. Puis pour cette raison-là, tu peux le conserver. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, si je vais dans la médaille, c'est aussi une bonne valeur d'échange. C'est là aussi que ça va être « I can't use » à parler avec Martin Saint-Louis, avec Jeff Gorton, à savoir ce qu'on fait avec ce gars-là, pour l'avoir vu à quelques reprises avec le Rocket. Par certains moments, c'était un peu rapide pour Justin Barron. Et c'est tu retires ces aspects-là, c'est ça qui est dangereux. Mais si on est prêt à jouer avec ça et à être patient avec ça, ben, ça va être à voir. C'est quoi la valeur actuellement de Barron? J'ai pas, c'est plate à dire, mais j'ai l'impression qu'on a si on voulait l'échanger, on est déjà passé à côté. Là. Je pense pas que sa valeur est très élevée. Mais... Non, mais moi aussi, je pense, que c'est un choix 3. Mais c'est ça. Sauf parce que l'affaire. Si on attend trop longtemps. C'est que là, OK, on le signe, on fait un contrat Ligue nationale avec Barron. Mais là, on décide qu'on n'est plus patient avec. C'est juste plate. Selon moi, c'est juste plate, perdre un aspect. Pour rien au balotage, parce que selon moi, si on met Barron au balotage, il est pris par une autre équipe. Ouais. Ben, c'est pour... je vais me contre-argumenter. Tu sais, je regarde le gardien du Canadien à droite, puis Barron, il est au mieux un sixième. Ouais. Fait que, est-ce que je le garde? Ça vaut-tu la peine d'avoir un sixième qui ressemble à ça? Il va pas vraiment monter. Tu sais, Maillot va toujours être en avant lui, c'est sûr. Mm-hmm, puis, Mike va toujours être en avant de lui, c'est sûr. Ouais. Fait que rendu là, on l'échange tout de suite tant qu'il reste encore une certaine valeur. Parce que même s'il s'améliore, puis je pense pas qu'on va le mettre dans des situations pour que ça arrive étant donné la congestion, il va quand même s'il s'améliore, il va quand même être en arrière de Logan Mailloux puis Mike. Fait qu'il il vaudra jamais à Montréal ce qu'il pourrait valoir ailleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je l'échangerais tout de suite. Parce que tout ce qui peut arriver, c'est qu'il reste pareil ou que sa valeur baisse parce que son âge augmente. Qu'il reste pareil. Fait que c'est pour ça que moi, je l'échangerais cet été dans un package deal. Mais ça, c'est s'ils veulent faire un échange avec. Mais oui, moi, je suis d'accord avec toi. Ben, s'ils résonnent comme je viens de le faire. Ben, peut-être pas. C'est ça. Ouais, au nombre de défenseurs sous contrat de la Ligue nationale qu'il y a, c'est sûr que Kent Hughes risque d'avoir un gros été et des gros choix à faire. Surtout soit Harris ou Barron, là, même, ou Kovacevic, ou deux d'entre eux sur trois vont devoir quitter pour laisser la place, parce qu'on parle de notre élève, des jeunes qui s'en viennent, mais il faut leur faire de la place, puis il faut qu'ils jouent si on veut qu'ils prennent un galon puis qu'ils prennent l'expérience pour que le Canadien soit à maturité dans 2-3 ans. Ouais, puis il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit non plus des énormes retours. Là. On s'entend, on en parle depuis tantôt, mais on le sait, ça risque d'être soit des choix tardifs ou des échanges pour des joueurs de profondeur qui. Peut-être dans ce cas-là, pourrait être intéressant, on en parlait tantôt, je remonte le tableau, mais au niveau du Rocket de Laval, on manque présentement de joueurs, donc peut-être de faire des échanges comme ça contre des espoirs B plus jeunes qui, à ce moment-là, pourraient aller remplir un chandail à Laval ou même y aller avec des vétérans de la Ligue américaine aussi, t'sais, ou également, on l'a vu cette année, ça a quand même été un problème pour l'équipe, donc d'avoir peut-être quelques vétérans pour aider.
Il y a Alain Kegel qui dit que, qui soulève en fait le fait qu'on pourrait transiger avec une équipe qui est un peu pas certaine d'un espoir aussi de par rapport à son développement. Qui, ça peut être quand même intéressant. La seule affaire que je me demande là-dedans, c'est vraiment est-ce qu'on a le goût d'échanger une zone grise pour une zone grise? T'sais? Est-ce qu'on va aller chercher une valeur sûre à la place? C'est ça qui c'est en fait c'est là l'ambivalence avec, avec la valeur de tout, tout, tout. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas le meilleur parce que je pense qu'il y en a un qui vaut plus cher que l'autre. Là. Peyton Krebs, dans les Sables. Ouais, exact. C'est une bonne, non, mais c'est un bon exemple. Il a fait 20, 23 points. Il ne fait pas ce qui était supposé. Il y a 25 ans, je pense, 24, 25 ans. Tu sais, il a joué des matchs dans la Ligue nationale plus que Barron, mais c'est ce que Barron est capable de jouer dans la Ligue nationale. Puis il y a 2 ans plus jeune, je pense. Tu sais, c'est le genre d'échange, évidemment, il faudrait mettre quelque chose de plus, là. Mais c'est le genre d'échange que justement, c'était comme nous, on a un manque de profondeur à l'attaque, même au centre. Tu vas chercher un suspect qui pourrait se développer sous le tard, comme Mittelstadt s'est développé à 24-25 ans. T'sais. Puis tu t'espères. C'est le genre d'échange, justement, un peu ce qu'Alex dit, je pense, là, qui se pourrait. Mais, ben, c'est ça. C'est une situation où tu te croises les doigts. Mais je pense que l'échange. Un échange à la Alex Nylander contre Emil Bemström entre les Pingouins et les Blue Jackets. Deux gars que ça ne produisait pas. On les change d'équipe. Ça va bien jusqu'à maintenant pour les deux. Ce n'était pas un gros pari pour aucune des deux équipes. Non, c'est ça. Oui, vas-y, Ouais, ben ça, mais le Canadien a quand même le luxe, en fait. On a eu beaucoup de. On a repêché beaucoup de joueurs du côté du Canadien de Montréal dans les 2 dernières années. On a encore beaucoup de choix dans les prochaines années. Donc, si, mettons, on veut aller chercher un attaquant. Qui viendrait en aide aux Canadiens pour échanger un Justin Barron. On est capable de rajouter un choix repêchage. Le nombre de joueurs que le Canadien a repêché. T'sais, on voit le Rocket est très jeune, avait commencé l'année passée avec 7 joueurs qui n'avaient aucune expérience dans la Ligue américaine, mais on n'a pas le choix à un moment donné parce que tous les joueurs qu'on a repêchés, il faut les voir, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre dans du hockey professionnel. Là, parce qu'on en repêche beaucoup dans les dernières années. Oui, ben justement, le fait d'en repêcher beaucoup, on le voit présentement, l'alignement possible pour le Rocket l'an prochain. Bon. Déjà, petit cet aparté, Oliver Kapanen est le seul dans le tableau qui n'est pas signé pour l'instant. Mais évidemment, on comprend qu'il risque de signer presque assurément pour la prochaine saison. Mais justement, dans cette formation-là, au niveau de l'offensive, il n'y a pratiquement aucun vétéran. On peut nommer Brendan Gignac, Lucas Condotta, qui sont les plus vieux de l'équipe. Même à la limite, Xavier Simoneau commence à être un jeune vétéran dans cette équipe-là, avec Jacob Perrault aussi. Mais ça reste que... On l'a vu cette saison, le problème du Rocket, c'était qu'on avait beaucoup, beaucoup de jeunes, peut-être pas les meilleurs vétérans pour les entourer. Puis on, avec la quantité de joueurs qui sont déjà là, on a assez pour faire un top 12 à Laval. Donc, si on fait des signatures, ça va être 1 ou 2 joueurs. Évidemment, il n'y en a aucun d'eux qui est prêt là, dans la Ligue nationale. Ben non, non, absolument. C'est pas comme si on pouvait dire, il y a peut-être 2 là-dedans qui vont aller jouer dans la Ligue nationale. Il n'y en a aucun. Il y a ça. Là. Non, c'est ça. Le seul joueur que je verrais peut-être dépanner une fois de temps en temps, c'est Condotta, parce qu'il en a joué déjà une coupe, mais à part ça. Ouais. Peut-être un Heinemann encore. Un Heinemann aussi, oui. Ouais, lui, ça va prendre un gros été là, parce que ouais. La fenêtre va commencer à se fermer pour lui. Là. Tu sais, si on check Jesse Lonen aussi, on dirait que c'est pas exactement le même profil, mais je veux dire, les années de développement. Pas loin. Ça commence c'est à pas loin, ouais, mais c'est vrai. Pas loin, m'a dit. C'est en train de devenir un Lonen 2.0. Là. Va falloir qu'il Il y a un bon tir, mais il va falloir qu'il s'implante un peu plus. Bon, tu sais, bonne vitesse comme Lonen. Mais c'est ça. C'est ça. Il en prend un peu plus. Un peu plus de chien quand même qu'il en a. On les pousser. Ouais, il en a, c'est plus un gars de périphérie. Là. Je pense qu'en Amine, il est quand même capable un peu plus d'aller sur le bord des bandes dans le trafic. Là. Non, ouais, ouais, vraiment. C'est un excellent gars, tu sais, le barrage, il en a. Sinon, rapidement, là, on l'a vu, peut-être la place qu'on pourrait aller chercher des vétérans, c'est en défensive. Donc, on le sait, là, il y avait Toby Paquette-Bisson cette année notamment qui était présent. Que son contrat, ça sera à voir s'il sera renouvelé. Il y avait Olivier Yalipo aussi qui était présent dans la formation, qui a fait un peu d'aller-retour avec les Lions de Trois-Rivières, mais a plutôt joué avec le Rocket cette année. Puis par la suite, dans les buts, là aussi, il faut aller chercher un vétéran. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on va ramener Casimir Kaskisuo. Je pense que oui. Je ne croirais pas qu'on ne le signerait pas une deuxième année, surtout que ça a très bien été. Kaskisuo va être à Daubech, et Lindgren a été à Primo. Je te dirais même peut-être plus Poulain à Primo encore. Un Poulain à Primo, oui. Encore plus, oui. Qu'est-ce qui?
Oui, puis Daubech a une très bonne deuxième moitié de saison, honnêtement. Ah, c'est fou. La progression a quand même été. Du jour de la nuit. Un 180 complètement. On s'en parlait en début de saison, on était découragé, mais pour de vrai, ça s'est vraiment amélioré au fil du temps. Là. Dès qu'il a changé ses pads. Il a changé ses pads, et voilà. Exact. Voilà. Mais oui, effectivement, on finit même au-dessus de 900 cette année. Donc, tu sais, pour avec le début de saison qu'il y a eu, là, c'est ben, juste. 122 aussi au début de l'année. Puis, Ouais, il y a quand même beaucoup de pression pour une première saison. Là, c'était lui qui était dans le filet en fin de saison à tous les matchs pour garder. Il fallait qu'il garde son équipe dans le match pour espérer remporter pour aller faire les séries éliminatoires. Mais... Donc, il a vécu ça. Donc, ça, c'est bien pour lui. Ouais, puis son semaine, ça ne l'a pas fait. Là. Non. Puis bon. C'est ça, l'affaire, c'est que jusqu'à l'arrivée de Castissuo, on n'avait pas de plan B. Fait qu'on se croisait les doigts que Dabesh ne se blessait pas. Puis on allait lui donner tous les départs quasiment. Aimes-tu ton chandail encore, Hugo? Je l'adore. Moi, je l'assume à fond. Et je tiens juste à dire que Strassman a été un des joueurs du Rocket qui a le plus remercié l'organisation sur les réseaux sociaux. Et ça, je respecte ça. Voilà, pas venir, des petites victoires. Des petites victoires. À ce jour, je me fais encore regarder Croche à Place Belle, mais je l'assume. Ah, il lui faut des petites victoires dehors de la patinoire parce que sur la glace, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Non, pas vraiment. Puis, ben, il y a un autre aussi, là, je ne sais pas, parce que vous l'avez vu plus, mais il me semble, moi, je l'aimais beaucoup, puis il me semble que je le mettrais à temps plein au Rocket, là, c'est Mackey. Hein. Ouais, ben encore là, c'est un joueur, ouais, c'est un joueur d'énergie. Ouais, mais je l'aimais. Mais il ne peut pas apporter sur un deux premiers trios. C'est pas un joueur de ce style-là. C'est un joueur qui va l'envoyer la rondelle dans le fond en forecheck, donner une mise en échec, il peut se battre, mais c'est un joueur qui. C'est justement qui va donner de l'énergie à ses joueurs, mais pas. Puis là, il y a Sébastien Ouellet sur Facebook qui nous pose la question à 100$, ce qu'on se pose aussi pas mal tous. Qu'est-ce qui va arriver avec le coach? En ce moment, en fait, il ne peut pas se faire mettre dehors. Parce qu'il n'y a pas de contrat. En fait, c'est qu'il vient de finir sa dernière année de contrat. Donc, est-ce qu'il va être signé? Moi, je trouverais ça un peu bizarre qu'il ne soit pas au niveau, si je regarde ce qu'il a réussi à faire. T'sais, c'est vraiment pas de sa faute que le Rocket n'a pas fait les séries. Mm-hmm. C'est vraiment l'organisation qui a mal joué ses cartes là, pendant l'année, pendant la saison morte l'année dernière. Ça, c'est mon opinion. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a un joueur qui montait en haut, Saint-Louis était comme, il était prêt. Là. Le joueur, il était capable de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, peut-être pas 82 matchs de suite, mais il était capable de dépanner, donc. Puis, aucune fois, on a senti que le joueur aurait été joué pour le coach aussi. Donc, tu sais, pour moi, ça, c'est un indice qui ne monte pas. Je vois pas la raison pourquoi il partirait, mais de mémoire, GF, il a été engagé par l'ancien garde. Oui, Bergevin, exact. Même si il fait la job, j'ai comme l'impression qu'ils ont leur propre agenda, malheureusement. Puis c'est peut-être un très bon coach qui va payer. Je trouve ça un peu nono, là, pour ne pas dire d'autres choses. Là. Mais, tu sais, parce qu'il a fait... Moi, je trouve qu'il a vraiment fait une bonne job. Il a sorti le meilleur qu'il pouvait de tous ces joueurs là, en début de saison, justement, comme je disais tantôt. Il y avait beaucoup de recrues, là, fait que c'était pas évident là, quand tu arrives de junior, tu commences ta première saison professionnelle. Puis, on a parlé devant le filet non plus au début, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Quand tu regardes ça, tu sais. Il s'est joué là la saison. Oui, 100%. Mais, ça se stabilise déjà. Mêlé d'un but, là, au début de l'année, là, ton 4 points, tu l'as là. C'est sûr, c'était 4 points hein, qui manquaient. C'est un risque que l'organisation était prête à faire. Puis, c'était une année de transition. Puis le fait que aussi les joueurs rappelaient, je pense à Roy notamment, là, qu'on savait qu'on savait. Ben, avec le début de saison fulgurant qu'il a connu à Laval, on s'entend que ça en était pour beaucoup dans son rappel, mais on doit quand même prendre en considération la job de Jean-François Hull, du fait que quand les joueurs se sont fait rappeler pour jouer avec le grand club, pour certains, c'était plus difficile, oui, mais pour la majorité des joueurs, on les sentait prêts. On les sentait prêts à affronter la vitesse, l'intensité de la Ligue nationale. Et c'est ça, mes deux meilleurs exemples, c'est vraiment Roy et c'est Struble.
Ouais, ben, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous dites. Puis, comme tu disais, Julien, j'ai peur qu'on laisse partir Jean-François Houle en raison du fait qu'on n'a pas fait les séries, qu'on termine dernier de la division. Mais il ne pouvait pas faire vraiment grand-chose de plus avec l'équipe. Tu sais, même en début de saison, il disait lui-même que ça allait être une année difficile. Puis surtout, jusqu'à Noël, que ça allait être encore plus difficile en raison du fait qu'il y avait énormément de jeunes. Puis les vétérans qui étaient dans l'équipe, ce n'étaient pas les mêmes qu'on a eus pendant les deux, trois, quatre premières années. C'était des nouveaux vétérans qui se brochaient aussi à l'équipe. Donc, eux aussi, il fallait que tu les habitues à la façon de jouer de l'équipe. Donc, t'sais, on dirait que tout était contre eux, puis malgré tout, on s'est battu jusqu'à la fin. Donc, non, j'espère mais moi, que. D'accord, là, t'as dit, l'organisation était prête à prendre cette chance-là. Moi, je comprends pas. Tu as une organisation en reconstruction, puis ta priorité, c'est pas que ton club d'école fasse les séries. Moi, honnêtement, là, je trouve ça cave. Je comprends non. pas. Tu sais que tu feras pas les séries en haut. Tu sais que là, il y a des gens qui se développent en haut, mais il faut que tu développes aussi en bas. Si, ouais. si tu n'es pas capable. Mais il y a développé en bas. Ouais, mais, parce qu'à un moment donné, au nombre de jeunes qu'il y a dans, qui arrivent professionnels, tu ne peux pas faire des miracles non plus avec toutes les recrues là, à Laval, c'est pas évident. Quand... Mais c'est là qu'il faut un équilibre. T'sais, tu ne peux pas dire OK, j'ai 50 jeunes, have fun, puis les deux, trois ouais. meilleurs vont sortir. Non. Ça, je suis d'accord. T'es mieux d'en avoir ouais. moins. Puis mon chien, il va aller dehors. Gosse. Bon, c'est mieux d'en avoir moins, de mieux les entourer. Ton pourcentage de réussite de chacun de ces 20-là va être plus haut que si tu en as 50 et tu n'as absolument rien pour les entourer. Puis ça, on l'a vu partout, que ce soit dans la Ligue nationale ou des mineurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as trop de jeunes, tu sais, mettons le Yessi Donen, là, c'est comme, ah, on n'est pas encore sûr, on va y laisser une autre année. Échange-le contre un vétéran de 28 ans, tu sais qu'il y a du leadership en bas. Tu sacrifies de ces jeunes-là oui, qui oui. pas encore sûrs, qui ont 22, 23, 24. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si tu ne fais pas ça comme ça, ça donne le résultat qu'on a. Là, tu as tous les jeunes en bas qui se privent de hockey qui ressemble le plus à la Ligue nationale. Tout le monde va dire que, regarde, c'est pas compliqué, on le sait, là, avec Tampa, ça marchait comme ça. Avec Détroit, ça marchait comme ça. Tu laisses 2-3 ans, tu fais les séries, tu essaies de te rendre loin. Puis là, quand ils arrivent en haut, là, ils sont plus que prêts. Ils peuvent déjà te dépanner sur un top 9, 82 matchs par année. Donc, c'est là que je trouve qu'on a manqué d'équilibre. Je suis d'accord. Et la seule, je trouve que la seule erreur, OK, il y a deux erreurs, en fait, c'est pas vrai. Il y a deux erreurs à Laval. Ça a été la gestion des gardiens de but depuis le début de l'année. Et le fait que quand on se battait pour une place en série, on a amené des joueurs qui terminaient leur saison autant dans la Ligue de l'Ontario que dans NCAA, et on a fait la place. Et là, j'ai rien contre Florian Jacquet, j'ai rien contre Luke Tuck, mais on avait besoin de vétérans pour encadrer ce groupe-là, pour amener le momentum en série. Ouais. Par contre, si on prend les joueurs au niveau individuel, ceux qui ont été des réguliers dans l'alignement, à part, mettons, William Trudeau, que ça a un peu resté pareil, ou sinon ça a été moins bon cette saison. Je trouve qu'individuellement, chaque joueur a quand même fait un certain progrès. Norlander. Ça, c'est le seul. Ça fait 3 ans, par exemple, là, qu'on le sait. Ça, il faut qu'on se débarrasse de ça. Ben oui, ben il s'en va, lui, là. Ouais, il retourne en Europe probablement à la fin de la saison. Si tu vas chercher plein de vétérans, tu sais, c'est toujours la question, tu veux te faire serrer ou développer, mais c'est parce que si tu vas chercher plein de vétérans, après, tu fais quoi avec les jeunes? Tu les mets dans les estrades, là, ils se développent, ils jouent pas plus, fait que c'est pas mieux, tu les envoies à Trois-Rivières, je suis pas sûr que c'est mieux pour eux. Mais faut pas, c'est être capable de créer l'équilibre aussi, là, tu sais, je pense pas qu'on va aller chercher, tu sais, un bon vétéran. Ouais. Ça peut changer la donne au complet sur une équipe. J'aime que tu utilises le mot bon vétéran parce qu'on a quand même amené des vétérans cette année. Mais tu sais, quand on regarde les vétérans qu'on avait l'an passé, avec exemple Alex Belzile, bon, il y a Anthony Richard qui a connu une saison exceptionnelle. Gabriel Beau était plus en santé aussi l'an passé. T'sais, on s'entend, cette année, ça a été vraiment difficile. Mais justement, ces joueurs-là des bons leaders, étaient des bons exemples pour les jeunes. Je dis pas que les autres joueurs qui sont arrivés cette année étaient des mauvais exemples, mais ça reste que... Il y en avait pas assez. Non, c'était des joueurs qui voulaient encore, qui rêvent encore à la Ligue nationale. Puis ça, Jean-François Houle en a parlé aussi durant son point de presse, tu sais. Elias Anderson est venu à Laval avec un contrat deux volets pour espérer retourner dans la Ligue nationale. Il n'a pas eu le rappel, il risque de jouer en Europe l'an prochain. Philippe Maillet revenait en Amérique du Nord pour essayer une dernière fois de faire la Ligue nationale après des bonnes saisons à KHL. C'est des joueurs qui, c'est plate, mais ne sont pas là pour nécessairement encadrer les joueurs, les jeunes, mais pour avoir aussi une bonne place dans l'alignement pour gagner.
Exact. Les seuls qui étaient vraiment là, j'avais le sentiment que les seuls qui étaient vraiment là pour encadrer les jeunes, c'était. Puis quoi, que lui aussi a eu la chance de jouer dans le national, mais c'était Mitch Stevens, Lucas Condotta, puis Gabriel Bourque. Sébastien, ouais, Sébastien ouais, il partage ouais, notre opinion. On en a discuté tantôt de Byron en long en large, puis ouais, on est quand même c'est d'accord que c'est peut-être pas le candidat dans l'organigramme là, qu'il faudrait qu'il reste. Donc, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Peut-être pour le Rocket, un dernier point là, au niveau de l'attaque que vous en parliez, là, il y a quand même plusieurs jeunes que ça sera à voir, qu'est-ce qu'on voudra faire avec eux. T'sais, vous avez proposé peut-être de faire des transactions pour aller chercher des joueurs plus vieux. Ben, évidemment, on regarde, c'est ceux qui sont avec l'équipe depuis un an ou deux. Là, Sean Farrell, ça a été une saison correcte, mais sans plus. Donc, ça sera à voir. Riley Kinney aussi, à voir qu'est-ce qu'on souhaite faire avec lui dans les prochaines années. Est-ce qu'on voit un joueur qu'on peut développer ou peut-être plus un joueur de la Ligue américaine? Si c'est le cas, peut-être faire de la place justement pour un joueur un peu plus vieux. J'ai hâte de voir quand même avec l'arrivée des jeunes, tu sais, Luke Tuck, Florian Jacquet, Philippe Méchard. Méchard, c'est probablement celui que j'ai le plus hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner l'an prochain là, parce que lui, c'est comme une saison assez importante pour lui. Tu sais, avec les deux années qu'il y a eu dans le junior, que ça a été coup-ci-coup-ça, je pense que là, il faut qu'il commence à prouver qu'il prend du galon. Puis je retiendrai toujours ce que Jean-François Hull a dit à son camp cette année quand on lui a demandé « Trouves-tu qu'il est meilleur que l'an passé? » Sa seule réponse était « Non. » Donc, vraiment déjà, c'est rare que Jean-François Hull est aussi direct envers un joueur, mais je pense qu'il n'a pas tant apprécié le niveau du joueur au début d'année. Exact.